Alors aujourd'hui, on assiste aux premières journées organisées par le campus Synergie Santé sur la formation à la santé numérique. C'est à la fois innovant, c'est à la fois précurseur. On a des dizaines de milliers de professionnels qui ont des parcours différents, qui ne sont pas forcément familiarisés avec l'usage du numérique. Et le rôle de ce campus Synergie Santé, c'est à la fois de faire tomber ses craintes et ses peurs et puis de permettre à chacun d'être plus à l'aise avec l'outil numérique. À ma connaissance, c'est une première en France. Je n'ai jamais vu un événement comme celui-ci organisé. La matinée a plutôt été réservée à un partage d'expérience entre les lauréats. Et cet après-midi, alors on a eu des conférences qui étaient vraiment exceptionnelles sur les enjeux de la e-santé. Et en suivant ces quatre conférences, on a eu droit à une battle interpro. Donc on avait des étudiants en médecine, infirmiers, des futurs cadres de santé et des ingénieurs en informatique, élèves ingénieurs en informatique, qui se sont rencontrés pour faire une grande battle et essayer de gagner des prix. On arrive à la fin de l'événement de la première journée. Au début, les gens ne se connaissaient pas trop, et puis grâce au moment de convivialité, les gens ont réussi à communiquer, à parler, à échanger, notamment par rapport aux enjeux de leurs différents campus. C'est un grand, grand succès. On a réussi vraiment à marier des gens avec des métiers différents. On a fait venir des lauréats de la France entière, donc c'est vraiment un grand succès. Il est prévu que l'an prochain, ça se passe à Montpellier, et ainsi, chacune des villes de France qui a été lauréate de cet appel à projet pourra monter ce type d'événement.